Aujourd'hui, on part à Bordeaux pour rencontrer Camille. Camille, elle nous parle d'une initiative solidaire qui est au rendez-vous des fêtes de fin d'année depuis 15 ans déjà. Regardez. Bonjour, je m'appelle Camille Génie et cette année, je suis responsable de l'association Sac à dos pour la ville de Bordeaux. Cette association a été fondée par messieurs Pascal Parot et Thierry Telat dans la ville de Montpellier en 2005. Et depuis, leur action s'est étendue sur plus de 120 villes en France. Nous nous occupons de collecter des sacs à dos remplis de 4 kits. Le kit hygiène avec tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Le kit chaleur pour avoir un petit peu moins froid. Le kit culture communication avec de quoi écrire votre livre préféré, des timbres. Et le kit festif avec des bons chocolats puisque notre action n'existe qu'en période de fin d'année. Ensuite, nous nous occupons de distribuer ces kits aux sans-abri de la ville avec l'aide de structures officielles telles que la Croix-Rouge. Nous travaillons aussi beaucoup avec des collégiens, des lycéens, puisque outre une belle action humanitaire, cela leur permet d'appréhender des notions telles que la solidarité. La beauté de Sac à dos, c'est que chacun peut participer à la hauteur de ses moyens. Avec Sac à dos, vous n'offrez ni un toit, ni un emploi, mais un geste fort de solidarité. Bravo Camille. Si vous souhaitez nous envoyer une petite vidéo qu'on diffusera avec grand plaisir, donc cette adresse s'affiche sur votre écran, montelemattin@francetv.fr.